Jesus, where? Top, c'est parti, troisième. On est en train de bosser un petit peu tout ce qui touche le renforcement musculaire et la musculation sans charge. Donc là on propose une séance plutôt d'explosivité, voilà, avec un travail vraiment qualitatif, beaucoup d'intensité et beaucoup de récupération pour réaliser vraiment des efforts brefs et intenses qui caractérisent un peu le football. Alors là on est dans le cadre du BEF, brevet d'entraîneur de football. C'est des garçons qui entraînent à un bon niveau régional, voire national chez les jeunes. Voilà, donc c'est un peu l'équivalence du brevet d'État. On a le sentiment qu'aujourd'hui c'est un peu la séance de torture pour certains. C'est une séance qui n'est pas évidente, c'est pour ça que je voudrais simplement leur montrer quelques exercices qu'ils peuvent mettre en place dans leur club, sans forcément de gros matériel, mais important si on veut travailler la force. C'est effectivement une dimension importante dans le football moderne que de maîtriser la préparation physique. La préparation physique est au service du football, ça peut être utile. Après, ce que je dis bien aux garçons, c'est qu'avant tout, ils sont entraîneurs de football, donc ils doivent faire des séances de foot, mais qu'ils peuvent compléter ces séances de foot par un travail de préparation athlétique.